Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Bon bah aujourd'hui, je suis ici pour le troisième épisode de Faut pas faire chier au petit Suisse. Donc ça sera Suisse-Belgique, le dernier match, pour savoir qui va se qualifier. La Suisse va jouer contre le premier de son groupe et doivent gagner pour être qualifiés. Donc à tout de suite. Hello tout le monde, c'est Testeur de jeu pas cool. Aujourd'hui, Suisse-Belgique. Ça sera pour Barnetta. Barnetta qui passe, le joueur, Barnetta qui tire, Mehmedi, Derdiok tout seul, Derdiok tout seul, goal! Et c'est le goal qui mettra la Suisse peut-être en demi-finale. Shaqiri qui fait ouais pour Mehmedi maintenant. Shaqiri repris par Vermaelen mais non. Mehmedi. Ah Der Diok qui tire. Lambert. Ah. Mi-temps. Ce sera pour les Belges engagement. Barnetta. Steiner. Steiner de la surface, Barnetta. Barnetta qui tire! Defour qui hasarde. Oui, c'est pour Hazard. Non, Benaglio. Mertens. Ouh là là, quelle faute sur Mertens! Une double faute même. Ça sera Chadli pour Mertens. Hazard. Hazard qui tire, reprise par le mur. Defour qui est presque tout seul, mais non. Defour. Alderweireld, Lukaku qui tire, au contraire. C'est Chadli qui tire, oh là 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 là. Dembélé. Repose par Giroud, c'est terminé. Cette vidéo est bientôt finie, mais tout d'abord, le classement. Alors, pour le groupe A, nous avons la Belgique avec 6 points. Ensuite, en deuxième, la Suisse à 5 points, le Nigeria à 4 points et le Gabon à 1 point. Donc, la Suisse et la Belgique se qualifient. Tandis que dans le groupe B, avec 9 points, la France, c'est-à-dire qui a tout gagné, puis ensuite la Côte d'Ivoire à 6 points, le Cameroun à 3 points et le Congo. La République démocratique du Congo a 0 points. Donc la France et la Côte d'Ivoire se qualifient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Et puis à la prochaine!